veut dire on parle de quelque chose de très fragile. Est-ce que ça ne nécessite pas un peu plus de temps? Parce que, si j'ai bien compris, je ne suis pas un peu branchée dans le domaine, mais ça ressemble un petit peu aux entreprises dans le cadre de l'ANSES, encadrées par la CNAC, tous ces dispositifs-là. Et donc, on a vu un petit peu la finalité de ces projets, hein, soit en termes de création d'emplois, ou bien en termes de création de valeur ajoutée. Donc, il faut que, pour qu'il n'y aura pas la même situation pour ces nouvelles petites entreprises, un peu plus fragiles que celles créées dans le cadre de l'ANSES, moi, je suggère, je pense que, je ne sais pas, mais peut-être 4 à 10 mois, c'est très, très peu, sachant qu'il s'agit de je veux dire, les créateurs de ces entreprises, c'est des étudiants aussi jeunes. Donc, il manque un petit peu d'expérience et un peu de maturité. Donc, ça, c'est par rapport à la période. Donc, ma deuxième question, bien remarque, c'est par rapport à la start-up, si j'ai bien compris ce qu'ils ont expliqué les étudiants. D'abord, il y a un dessin, je ne sais pas si c'est un label, ce qui est en orange et vert. Je me demande pourquoi ce n'est pas écrit de la même façon que le nom Fondoc. Par rapport à la visibilité sur Internet, on met le U, on ne le met pas pour retrouver l'application. Prochainement, bien sûr, quand elle sera mise en application. Donc, c'est par rapport à la recherche. La deuxième question, c'est par rapport à cette application, hein, cette start-up. Est-ce qu'il y aura une comparaison des prix? Parce que le problème du tourisme en Algérie, d'abord, vous savez tous, c'est un problème de transport, hein, contrairement aux autres pays du monde où il y a des moyens de transport qui facilitent le déplacement. Donc, ça, c'est un handicap chez nous. Le deuxième handicap, c'est la cherté des chambres d'hôtel. Donc, tout à l'heure, une des étudiantes a donné des points comme ça. Elle n'a pas pris en considération le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, quand une chambre coûte 5000 dinars pour 4 personnes, généralement, c'est abordable. C'est pour ça que les gens s'adressent. Ils prennent, par exemple, le voyage vers la Tunisie au lieu d'y aller au sud ou à une autre destination. C'est par rapport à ces prix. Donc, un, est-ce que dans le cadre de cette start-up, il y aura des négociations des prix? Et donc, est-ce qu'il y aura des comparaisons? Deuxièmement, par rapport, je pense, à une start-up, donc il y aura des charges, il y aura des commissions. Est-ce que ça va rendre le prix total du voyage un peu plus cher ou un peu plus, moins cher? Voilà. Et je vous remercie. Merci, madame. Oui, monsieur Belkhairi. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la clarté de vos communications. En fait, moi, j'ai deux questions. La première, c'est pour Dr Mahmoudi. Donc, d'après la présentation, donc, on voit qu'il y a 4000 incubateurs, accélérateurs de par le monde. C'est vrai que c'est un phénomène récent, donc la part de l'Algérie est très négligeable. Mais je voudrais savoir, par rapport à la nouvelle, ou bien le dernier, c'est-à-dire l'arrêté 1275, c'est-à-dire, est-ce que cela va apporter les résultats escomptés et va améliorer le classement, c'est-à-dire au moins qu'il y ait quand même quelques résultats par rapport au classement de l'Algérie. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, donc, par rapport à la création d'une start-up algérienne, donc site web de réservation d'hôtels, tout d'abord, je tiens à remercier c'est-à-dire les porteurs de projets, et surtout je remercie les étudiants, l'implication des étudiants, c'est encourageant quand même de voir la participation de nos étudiants. Donc je vous remercie. Donc ma question, la première question, quelle est la place de ce site, c'est-à-dire face à la concurrence des autres sites? Je peux citer l'exemple de Booking, par exemple, Trivago, Hotel.com, Hotel Tonight. Donc, est-ce qu'il est en mesure, c'est-à-dire, de concurrencer exactement ce site? C'est ma première question. La deuxième, d'après la présentation, vous dites que donc, l'objectif, c'est d'améliorer l'attractivité et l'image touristique. Comment ce site va, améliorer l'attractivité touristique pour l'Algérie? Enfin, juste une petite remarque pour Djebari, par rapport à la présentation, c'est juste par rapport aux sortes de données, c'est-à-dire remonte à quelle année, c'est-à-dire est-ce que c'est récent, donc je voudrais savoir, c'est-à-dire l'année, parce que depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, donc voilà, mais je vous remercie. Merci, docteur Belkhairi.
Si y a-t-il d'autres questions, sinon on va commencer à répondre. Donc, je donne la parole au communicant pour répondre et puis. Donc, Halité, si vous avez. Non, c'est Jubari. Donc. Oui. Donc, bonjour. Donc, pour la question de l'art d'être, vous avez dit que c'était une régression multiple. Si je me permets, on ne peut pas faire de régression multiple à partir de variables qui sont intégrées, mais de différents ordres. Parce qu'on aura une fausse régression. Ok. Là, revenons à la formule telle qu'elle a écrite. Vous n'expliquez pas par rapport à l'ordre d'intégration, par rapport au nombre de retards, rien. Que des variables comme ça. Telle qu'elle est faite, c'est de la régression. Maintenant, le type, parce que là, la régression, quand est-ce qu'on utilise la régression? Lorsque nous avons des variables indépendantes. Si elles sont corrélées, forcément, on va penser soit à la régression généralisée, soit à d'autres modèles, tel que vous le dites, je pensais à la stationarisation, la sinusanialité, je ne sais pas, plusieurs cas de modélisation. Mais sinon, tel qu'il a été conçu, il faut le revoir. Donc, il faut spécifier, parce que les variables, elles ne sont pas du même ordre. Oui. Là, je ne le vois pas. Non, qu'est-ce qui spécifie qu'elles sont d'ordre 1 ou d'ordre 2, quel retard? Et la formule, il faut prendre, bien sûr, avec leur passé. Là, il n'y a rien qui part du passé. Donc, on a pris des données de... quand on a formulé notre... Nous, on voulait avoir le... Si ces variables-là, elles influencent sur la diversification. Oui, et c'est des indices. Donc, si on avait fait un modèle, une régression simple, on devait avoir des données entièrement stationnaires. Et ici, on n'a pas pris le passé. Pour la régression multiple, on ne regarde ni la stationnarité, ni autre chose. On prend telles qu'elles sont, brutes, telles qu'elles sont, et on utilise la régression. Oui. Okay? Par contre, quand il s'agit d'un modèle RDL, il faut stationariser, il faut chercher l'ordre d'intégration, le nombre de retards, et bien sûr utiliser d'autres, voire selon l'ordre de... Bien sûr, l'ordre d'intégration et tout le reste, il faut le spécifier dans la formule. Parce que d'ordre 1, les autres sont stationnaires à un niveau, donc il y a d'autres peut-être d'ordre 2, mais là, je ne vois rien du tout qui dit elles sont de tel ordre, dans un retard de 2, de 4, je ne sais pas quoi. Donc il faut le voir, revoir. La formule... C'est vrai, elle a raison de vous dire ça. Quand on trouve plusieurs variables dans un modèle, c'est un modèle multiple. Quand on trouve une seule variable, c'est un modèle simple. Mais dans la théorie de l'économétrie, soit vous prenez un modèle, vous allez l'expliquer, les composantes et sa théorie elle-même, comme il nous a expliqué maintenant, ou bien vous passez à la modélisation. Dans la modélisation, vous déterminez quelles sont les variables en dosant et exogène. Et puis vous faites le test de causalité. Vous avez fait le test de causalité, après, vous tournez la page, vous avez le test de causalité. Normalement, le test de causalité dans la modélisation se fait juste après les plots pour déterminer la variable exogène de la variable endogène. Donc, ce qu'il nous a dit, madame, elle a raison d'expliquer. Il faut le revoir. Bon, peut-être il est mal écrit, peut-être. Vous avez raison, certainement. Là, juste, je donne un plus pour vous. Il faut spécifier. On dit P moins 1, la formule, c'est je l'écris avec les ventes et tout le reste. Donc, vous l'écrivez P, d'ordre P, je ne sais pas quel ordre. À quel niveau vous allez stationariser? Est-ce que c'est la différenciation? Est-ce qu'il a une tendance? Est-ce que tout ça, il faut le spécifier. Mais là, tel que je le vois, il n'y a rien qui dit ça. Donc, je ne peux pas parler d'ADL. Peut-être que vous l'avez fait. Mais tel que vous l'avez résumé, il n'apparaît pas. Donc là, je ne le vois pas clairement qu'il s'agit d'un modèle RDL. J'ai oublié aussi de mentionner, on a l'équation de co-intégration. Donc on a testé aussi la co-intégration.
Donc on a vu qu'on pouvait avoir une orientation en Nanterre. Mais ce n'était pas le sujet de notre... le résultat qu'on voulait avoir. La co-intégration, c'est un autre problème. La co-intégration, on parle de la co-intégration uniquement. Dans le cas, l'ordre d'intégration est le même. Elles ne sont pas stationnaires à niveau. C'est-à-dire au minimum, il y a d'ordre 1. Donc elles ont toutes les variables, elles ont le même ordre d'intégration. Ok, madame, sauf le RDL. Le RDL, on peut avoir... On peut licencier sans tarder, si vous voulez qu'on discute après, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci madame, merci. Monsieur Dubarry, merci. Donc, vous avez terminé? Oui, monsieur Bouchet. Donc, pour la période, c'est entre 2020 et 2021. Je veux dire, 2000 et 2021. Donc, on a pris en 20 années, en 21. Merci. Donc, docteur Mahmoudi. Alors, par rapport à la question de madame Ndil, concernant la durée de l'incubation. Alors, c'est juste pour à titre d'information, l'incubateur n'est pas l'incubateur universitaire, c'est un incubateur privé. Et puis, je pense dans la présentation, j'ai expliqué pourquoi l'incubateur ne s'engageait pas pleinement dans les actions d'accompagnement. En fait, il est limité en termes de ressources. Limité en termes, il faut qu'il ait déjà dans la capacité de prototyper les projets. Si le projet, par exemple, si une pièce high-tech ou qui doit être prototypée, il faut qu'il ait minimum de matériel pour qu'il puisse la prototyper. La deuxième des choses, dans le processus d'incubation, si on revoit le processus d'incubation, vous allez voir, l'incubateur AVP s'est limité aux actions de formation, et de réalisation du business plan et du business model. C'est-à-dire la phase, même le business plan n'a pas été convenablement réalisé, d'autant plus que les études de marché n'étaient pas complètement fiables. Le manque de données au sein de l'incubateur faisait défaut. Donc la durée de l'incubation a été décidée par les responsables de l'incubateur, en concertation bien sûr avec les porteurs de projets, ce qu'on déplore d'ailleurs. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse incuber des entreprises en tenant compte uniquement des formations à dispenser au profit des porteurs de projets. Deuxièmement, tout dépend en fait de la nature du projet, du degré de maturité du projet. Est-ce que c'est un projet qui est mature, qui est en phase peut-être ils ont atteint leur produit minimum viable, ça veut dire ils peuvent passer à la phase directement d'accélération, intégrer un accélérateur, parce qu'une entreprise qui est incubée, si elle atteint le seuil minimum viable, elle est appelée à croître et elle doit sortir de l'incubateur. Donc si les porteurs de projet et le projet lui-même était bien ficelé, il avait déjà les tenants et les aboutissants du projet, il peut ou du moins passer une période très très brève et passer à l'accélérateur. Maintenant, pour le cas... Je pense que le micro déteste ma voix. Concernant le cas des quatre startups, le problème c'est au niveau de l'incubateur surtout. Ouais. La deuxième question, c'est la question de M. Belkhairi. Concernant l'arrêté 1275, il me tend la perche pour parler de l'arrêté. D'ailleurs, avant d'en parler, je tiens à remercier les étudiants ici présents, porteurs de projets qui font partie des équipes qu'on a formées. Je vois apparemment ils ont bien repris le BMC qu'ils ont fait la dernière fois lors de la formation. D'ailleurs, je pose la question à Monsieur Meradi. Monsieur Meradi, s'il était bien judicieux de dévoiler tous les tenants et les aboutissants de votre projet devant une assistance et directement retransmise en ligne.
D'autant plus que le projet n'est pas encore labellisé. Prenez des risques. La deuxième des choses concernant l'arrêté de 75, l'arrêté de 75 est orienté surtout envers les porteurs de projets universitaires, donc des étudiants en fin de cycle. Pour le cas des incubateurs, c'est un décret présidentiel qui a été signé en 2020, je pense, si je me trompe pas, donc qui institue les universités de mettre en place des incubateurs au sein de l'université. En plus des incubateurs privés, donc les incubateurs universitaires constituent quand même de vrais écosystèmes entrepreneuriaux. Maintenant, si ces incubateurs et les financements nécessaires et les équipements nécessaires, ce qui se passe actuellement, je parle uniquement du cas de l'incubateur de l'université de Béjaïa, qui a reçu une partie des financements, des équipements, etc. Il y a même un Fab Lab qui est en préparation, donc un Fab Lab qui permet justement tout ce qui est prototypage, etc. Donc le Fab Lab va constituer la pierre édificatrice même de l'incubateur, l'extension même de l'incubateur. Les porteurs de projets dans le cadre du 1275 peuvent profiter de cet écosystème, que ce soit l'incubateur, le Fab Lab, la maison d'entrepreneuriat, les autres structures, pour se former et éventuellement se faire accompagner pour lever des fonds. Donc, sauf que dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au financement, l'aspect institutionnel et surtout l'aspect pour qu'on ne puisse pas rester justement dans des expériences qu'on a connues, telles que l'ANSEJ, même si l'ANSEJ a été, ils lui ont changé un peu de mission, la mission de l'ANSEJ a été élargie, notre Dalanad. Si on n'oriente pas l'investissement privé pour justement constituer des fonds d'investissement privé au profit des porteurs de projets innovants, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose, ne serait-ce que sur l'accompagnement et le financement des projets. On va rester dans le financement public et on serait loin des écosystèmes entrepreneuriaux tels qu'ils se font ailleurs. Voilà. Maintenant, si vous voulez un complément de l'information. Monsieur Meridian, si vous avez... Merci, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants pour leurs questions et surtout pour leurs encouragements à nos étudiants. Donc, je remercie tous les intervenants d'avoir encouragé nos étudiants. Je vais donner donc quelques réponses. Bon, concernant le choix du nom, c'est la tendance actuellement de choisir un nom en arabe, fondour, ça veut dire hôtel. On l'a écrit avec deux O. Pour s'inspirer donc du style de Facebook, Google, on a doublé le O et ça a donné pour toucher l'effet de garder, c'est-à-dire Monsieur Ganad, je l'ai rencontré avant ce colloque, il m'a dit vous allez présenter sur Facebook, c'est-à-dire le nom de la marque, c'est-à-dire quand il avait Fondour, Monsieur Ganad m'a dit c'est vous qui va présenter sur Facebook, ça veut dire on a fait exprès de devenir le haut pour marquer un truc marketing, ça se fait dans le monde entier, pour marquer le client dans son esprit et capter son attention. Concernant les prix, monsieur Mahmoudi vient de nous avertir de ne pas donner toute la stratégie du projet, parce qu'on a préparé ce qu'on appelle un plan mix marketing, hein, toutes les variables, comment on va entrer, comment on va travailler avec les concurrents. Un plan mix marketing, ça veut dire on a le P de prix, ça veut dire on va voir avec quelle stratégie on va entrer sur le marché. Bon, il y a quelques variables, elles sont en construction, donc on est en train de préparer notre stratégie. Comment concernant les hôtels, comment faire pour baisser les prix? C'est des négociations, ça veut dire l'hôtel qui va signer... pas plus, voilà. Donc l'hôtel qui va signer une convention, ce sera négocié. Concernant comment affronter la concurrence, booking, etc. Donc on a une stratégie. Voilà.
comment le site va améliorer la destination Algérie. Voilà, on a une stratégie à l'intérieur. Hein, donc voilà, donc il y a une stratégie à l'intérieur. Comment essayer d'améliorer l'attractivité touristique de l'Algérie en utilisant les atouts de l'Algérie qu'on a cités dans la communication théorique. Je vous remercie. Il y a beaucoup de questions en suspense. On va les laisser. Si vous permettez, Monsieur le Président, juste une précision. Donc, vous nous excusez pour les collègues pour ne pas pouvoir répondre à certaines questions parce qu'on doit protéger certains aspects liés au projet. Mais je souligne la pertinence, la qualité de vos questions. Voilà, en grosso modo. Et je tiens également à saluer Monsieur notre ami Mourad Mahmoudi pour ses conseils pertinents. On n'a pas divulgué les mécanismes ou bien les outils qui vont mettre en œuvre ces aspects. On a juste souligné les aspects. C'est facile de dire, l'année prochaine, je vais aller par exemple sur la Lune. Je vais poser les pieds sur la Lune. Tout le monde peut le dire, d'accord. La plupart des gens le pensent, le souhaitent, mais dire comment, c'est ça l'innovation en fait. On cherche à promouvoir la destination algérienne, mais on n'a pas dit comment. On cherche à rendre l'application attractive aux touristes, aux hôtels et tout, mais on n'a pas dit comment. Donc on laisse ça, voilà, dans la concrétisation. Le but c'est de protéger notre idée, le projet, voilà. Non, on a un plan, entre nous, on a un plan d'action qui est chronométré, avec une échéance, sous forme d'étapes. Étapes, chaque étape a sa durée de temps, elle est détaillée et tout, donc on fonctionne, on avance à un rythme régulier, mais avec un plan de travail très précis. Donc on a pensé à tout, entre parenthèses, donc au financement, à la concrétisation, aux intervenants, à la régulation, à la correction des erreurs. Donc on a pensé à tout, voilà. Merci pour vos conseils et l'intérêt que vous avez exprimé concernant le projet et en particulier les encouragements envers nos étudiants. Voilà, on leur souhaite toute la réussite du monde. Merci encore une fois. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Et Docteur Walid, donc Docteur Hariti, vous avez demandé la parole, oui. En fait, je voulais juste rajouter un petit détail par rapport à l'incubation, parce que j'ai eu une petite expérience par rapport à ça, avec une école à Alger. En fait, la période, il y a, comme mon collègue a précisé, il y a une étape de pré-incubation pour les jeunes qui ont des idées. Elle varie entre 6 mois et une année, par exemple, jusqu'à une année. Ensuite, une période d'incubation. Tout l'incubation moyenne, c'est 2 ans. Voilà, c'est 2 ans, à peu près, on va dire, jusqu'à 2 ans. Il y a aussi l'accélérateur aussi. Donc l'accélérateur, comme j'ai mentionné sur ma communication, il y a l'accélérateur étatique Algeria Venture. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux aussi. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils prennent des jeunes start-up, ils font de la recherche de marché. Ils les aident à trouver des marchés et... Voilà, c'est juste pour complément d'information par rapport à ça. Merci. Donc on arrive à consommer le temps à lui, donc il est 17h17. Donc s'il y a-t-il des questions, demain on va encore continuer dans les sciences. Dans les ateliers de demain. Donc pour aujourd'hui, je vous remercie. Je remercie l'assistance, les communicants, les enseignants, les étudiants. À demain, Inch'Allah.